Durant la finale de la Star Academy, l'apparition d'un journal de propagande lors du tableau de Julien et de Patrick Fiori a suscité le malaise. La production a présenté ses excuses sur X et annonce diligenter une enquête. La 11e saison de la Star Academy s'est conclue hier avec la victoire de Pierre face à Julien. Ce dernier prime a été émaillé de très jolis moments. Dadju a ainsi dynamité son duo avec le futur gagnant pour lui permettre de chanter en direct sa propre composition. Le frère de Gims a pris de court tout le monde, y compris Nikos, pour offrir ce joli cadeau à Pierre. À la fin du prime, les 13 élèves réunis sur scène ont chanté Famille, le titre de Jean-Jacques Goldman. Une prestation qui a ému aux larmes le directeur de la Star Academy et fils de l'interprète original. Mais la production se serait certainement bien passée d'une fausse note survenue pendant l'une des prestations de Julien. Ce journal ne correspond pas aux valeurs de la Star Academy, assure la production, qui condamne fermement son utilisation à l'antenne alors que le finaliste malheureux chantait avec Patrick Fiori, une danseuse en arrière-plan à droite feignait de lire un journal. Mais comme l'ont remarqué plusieurs internautes, il ne s'agissait pas de n'importe quel journal, mais de Rivarol, une publication d'extrême droite condamnée à plusieurs reprises pour provocation à la haine ou contestation de crimes contre l'humanité. La société de production Andmol a immédiatement et fermement réagi sur X, anciennement Twitter. Star Academy est une grande émission familiale qui réunit tous les publics autour de valeurs de divertissement, de bienveillance et de cohésion. Nous regrettons et condamnons fermement qu'un journal de propagande, en totale opposition avec les valeurs de la Star Academy, soit apparu dans un tableau hier soir, a indiqué Andmol France dans un tweet. La production de la Star Academy promet des sanctions. La production souhaite désormais comprendre comment une telle utilisation de cette publication a pu être possible. Nous sommes en train d'enquêter pour comprendre comment celui-ci a été mis au cours de l'émission. Les sanctions nécessaires seront prises en conséquence. Nous présentons nos excuses aux téléspectateurs, aux artistes, et aux élèves, conclut ce texte. Just me.